c'est toujours un défi de parler de ce mystère de la Trinité sur une homélie, surtout quand on est minuté et qu'il faut absolument terminer la messe à une certaine heure pour que la suivante puisse arriver. Donc je vais essayer d'être rapide et de vous faire un résumé du mystère. Mon objectif est de vous aider à comprendre comment la Trinité a un impact dans votre vie. C'est-à-dire quel est le lien finalement entre la Trinité qui est au ciel et votre vie ici-bas sur terre. Alors, pour résumer, je dirais c'est toute la vie chrétienne, mais je vais peut-être appuyer sur certaines parties ou en tout cas certains aspects de ce mystère. Moi, je vous invite à prendre des notes pour garder quelque chose pour cette semaine. Ça peut être un verset, ça peut être un mot, ça peut être une idée que je vais vous partager, afin que la parole de Dieu puisse habiter votre cœur tout au long de cette semaine. Tout l'enjeu, un des enjeux de la vie chrétienne, c'est de recevoir ce que dit Dieu, ce qu'il vous dit à vous, car les textes que vous avez entendus ne vous ont pas parlé de la même manière. Chacun les a reçus avec ce qu'il est, avec son état intérieur. Et Dieu, en fait, vous touche, vous a touché, peut-être, avec tel ou tel verset, tel ou tel mot. Ça, c'est le génie de Dieu qui est capable de s'adapter à chacun en un instant, avec un seul texte, avec un seul verset. Ma première partie, mon premier point, ce sera de rappeler que la Trinité, qu'est-ce qu'elle est en elle-même, sinon une circulation d'amour, un bain d'amour, comme disent certaines ou certains. Deuxième chose, c'est d'expliquer ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire, mon deuxième point, ce sera la Trinité dans le monde. Et puis enfin, troisième point, comment vivre ce mystère concrètement. Comment est-ce que ce mystère peut impacter votre vie? Comment il peut toucher, transformer votre vie? Je reprendrai pour le premier point les deux mots qui sont utilisés dans l'Exode, où il est dit que Dieu est tendre et miséricordieux. C'est extraordinaire, ces deux qualificatifs. Dieu est tendre, ça fait penser à une maman, la tendresse, et il est miséricordieux. Retenez, vous voyez, quand vous avez peur de Dieu, quand vous avez peur du jugement, quand vous avez peut-être peur de la mort, rappelez-vous ces deux qualificatifs de Dieu. Dieu est tendre et il est miséricordieux. Alors j'explicite simplement ces deux adjectifs. Dans la Trinité, il y a un immense respect. Alors ils sont trois. Donc il y a un immense respect entre les trois. Une attention à chacun. Un soin porté à l'autre. Et chacun est attentif aux besoins des autres dans la Trinité, en Dieu lui-même. Le deuxième point, c'est de rappeler que les personnes se donnent les unes aux autres. Le don de soi, c'est ce moteur, c'est le moteur de l'amour, c'est le moteur de la Trinité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque personne ne vit pas d'abord pour elle-même, mais pour les deux autres. Pour que les deux autres soient pleinement elles-mêmes. C'est comme si le Père, le Fils et l'Esprit disaient « Ma joie, c'est votre bonheur. » Et aucune d'elles ne s'épanouit sans l'épanouissement de l'autre. L'épanouissement de chaque personne dans la Trinité passe par l'épanouissement de l'autre. Il y a une véritable chasteté entre elles. Troisième point, aucune d'entre elles ne met la main sur l'autre. La chasteté, c'est prendre possession, c'est se servir de l'autre. L'autre m'appartient pour mes propres besoins. Non, dans la Trinité, il y a une chasteté véritable. Chacune des personnes se donne à l'autre sans accaparer l'autre. Quatrième point, une véritable et profonde pauvreté spirituelle.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacune des personnes attend de recevoir et d'apprendre de l'autre. Le Père veut recevoir du Fils. Le Fils veut recevoir de l'Esprit. Le Fils veut recevoir du Père, etc. Et enfin, cinquième point, c'est une profonde union des cœurs et des volontés. Trois personnes, une seule volonté divine, mais trois personnes qui utilisent cette volonté, chacune, de manière totalement propre. Union de cœur et de volonté. Elles choisissent, en d'autres termes, de s'aimer. Elles choisissent d'être ensemble. Est-ce qu'il pourrait y avoir un conflit dans la Trinité? Est-ce que ces personnes pourraient se chamailler? Est-ce qu'elles pourraient se chamailler, se disputer, ne pas être d'accord? Je vous renvoie à l'agonie à Gethsémani. Le Fils, à ce moment-là, n'est pas d'accord avec le Père. Ou plutôt, il discute la volonté du Père. Parce que cette volonté du Père le fait souffrir. Et on voit comment, dans l'épisode de Gethsémani, on voit comment le Fils va accorder sa volonté au Père. Très important de bien comprendre que chaque personne est autonome. Et donc que l'amour de la Trinité procède d'une volonté commune. Ils veulent s'aimer. Ils choisissent de s'aimer. Ma deuxième partie, la Trinité dans le monde. Je prends simplement l'Évangile. Il nous est dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le rapport de Dieu au monde, c'est un rapport d'amour. Et le texte de l'Évangile vous donne une définition de l'amour. Il dit ceci, aimer, c'est donner ce que vous avez de plus précieux. Parce que le Père de la Trinité n'a rien de plus précieux que son Fils, qui est unique. Et il le donne au monde. Il ne le donne pas en pure perte, car ce don a un but, a une finalité. C'est une fécondité que ce don attend. C'est le salut du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Dieu aime, lorsque vous aimez à l'image de Dieu, votre amour est fécond, il porte du fruit. Donc Dieu vient dans le monde, Dieu vient dans votre vie par amour, parce qu'il vous aime. C'est la seule raison. Il n'y a aucun mérite de notre part. Il vient chez vous comme il peut venir chez votre voisin, comme il peut venir chez votre collègue, comme il peut venir chez n'importe quelle personne dans la rue, par amour, parce que Dieu aime tous les hommes et toutes les femmes de manière personnelle. Il ne vient pas vous punir, il ne vient pas vous faire peur, il vient vous aimer. Dieu vient dans votre vie pour vous montrer combien il vous aime. Et quel est le fruit de ce don? Eh bien, c'est la vie éternelle. Mais qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? C'est la vie même de Dieu. Et qu'est-ce que c'est que la vie même de Dieu? C'est la capacité à donner ce que je possède en propre de plus précieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu vous partage sa propre vie. Et sa propre vie, c'est d'être capable de vous donner jusqu'au bout. D'où tout ce que je vous ai dit en première partie, c'est-à-dire que Dieu vous donne en partage tout ce qu'il est, c'est-à-dire le respect, l'attention, le soin porté à autrui, le don de soi à autrui, une véritable chasteté, une véritable et profonde pauvreté d'esprit et de cœur, et une profonde union des cœurs entre nous. C'est ce que dit Paul. Paul parle de ce don et de ce fruit. Il dit, frère, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix.
et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Voilà. Voilà le fruit de la Trinité dans l'humanité. Et ce n'est possible que dans le Christ. Ce n'est possible que dans l'Église. Parce que l'Église est le premier lieu où recevoir la grâce et le don de vivre comme Dieu. C'est d'abord dans l'Église que nous pouvons recevoir ce don de la Trinité. Et selon les cinq dimensions de l'être chrétien, les cinq essentiels, la prière, la vie fraternelle, le chemin de conversion ou la croissance, ce sont les vertus, le service et la mission. Alors, troisième partie, comment le vivre dès à présent ? Ben déjà, je pense que ça passe comme toujours par la prière et par la demande. Tout ce que je vous ai dit de la Trinité, tout ce que la Trinité vit en elle-même, elle ne le vit pas que pour elle, bien sûr, puisque l'Évangile dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Ça signifie qu'en fait, demandez et vous recevrez. Demandez la chasteté et vous la recevrez. Demandez la pauvreté spirituelle et vous la recevrez. Demandez l'attention aux autres et vous la recevrez. Bien sûr, en le vivant vous-même, en décidant de le vivre, mais c'est d'abord un don de Dieu. Ensuite, en vivant comme Jésus. C'est très important ça. Le don de la Trinité, c'est de vous partager sa vie. Et cette vie, elle se vit d'abord dans le Christ, avec le Christ, par le Christ. Cultivez l'amour et la miséricorde. En fait, j'aurai trois choses. Cultivez l'amour et la miséricorde. Ça, c'est le Père. Le Père est miséricordieux. Cultivez l'amour et la miséricorde. Cultivez la vérité. Ça, c'est le Fils. Le Fils est la vérité. Et enfin, cultivez le courage. C'est-à-dire ce qui vous permettra de dépasser la peur. Tout le monde peut avoir peur. Et ça, c'est l'esprit. Cultiver la miséricorde avec le Père, cultiver la vérité avec le Fils, cultiver le courage et la force avec l'esprit. Et moi, je vous invite à ceci cette semaine, à prendre un des trois, le Père, le Fils ou l'esprit, c'est-à-dire la miséricorde, la vérité ou la force, et de le mettre en pratique. C'est-à-dire, comment est-ce que je vais pouvoir vivre concrètement, quelle décision je vais pouvoir vivre concrètement cette semaine pour poser un acte de miséricorde? Quelle décision je peux prendre aujourd'hui pour poser un acte de vérité cette semaine? Et enfin, comment est-ce que je vais pouvoir vivre le courage cette semaine, quelle décision je vais prendre et m'y tenir cette semaine. Miséricorde, vérité, force et courage. Voilà trois dons concrets, très concrets, que vous donne la Trinité. La miséricorde, c'est le Père. La vérité, c'est le Fils. Le courage et la force, c'est l'Esprit. Voilà. Dieu aime le monde, frères et sœurs, pour que le monde vive. Découvrir Dieu, c'est découvrir Dieu dans le Christ et dans l'Église. Et c'est ainsi que je peux vivre comme Dieu, c'est-à-dire aimer et me donner. Et me donner jusqu'au bout. Donner ce que j'ai de plus précieux, c'est-à-dire ma propre vie. Est-ce que je suis digne de cela? Oui, parce que je suis créé à l'image de Dieu. Est-ce que j'en suis capable? Non, je n'en suis pas capable parce que cette vie, elle vient de Dieu et je suis le réceptacle de la vie divine. Est-ce que je le veux? Parfois oui, mais ça ne dure pas très longtemps. Et donc j'ai besoin de la force de l'esprit. Voilà, frères et sœurs, prenons le temps de méditer cela, de recevoir cet amour du Père, cette vérité du Fils, cette force de l'Esprit, ce courage de l'Esprit. Et dans le secret de nos cœurs, eh bien, si nous le voulons, nous pouvons
prendre une petite décision, vous pouvez prendre une petite décision pour cette semaine, vivre de ce que la Trinité veut vous donner aujourd'hui. Dieu notre Père, toi qui es la source de tous les dons, de toi est engendré le Fils, de toi procède l'Esprit, te rendons grâce pour la vie, te rendons grâce pour le monde dans lequel nous vivons. Oui Seigneur, Dieu mon Père, Dieu notre Père, donne-moi donner la grâce pour vivre de ta vie cette semaine. Donne-moi la grâce d'être miséricordieux, d'être vrai et d'être courageux. Amen.